justice. Eh, caca comme ça. Premier ministre, ça est. Commissaire, ça, c'est un paquet avec son caca loca. Commissaire, ça, parce que mon paquet, c'est un paquet. Je connais bien ce livre. L'autre, il a fallu exister, c'est le stagiaire. On fait un TB, ça gagne un TB. Commissaire, ça, c'est à l'association. Nous qui t'aimons, ça, ça me dit. Bon, et normalement, je vais saluer la presse, parler, la presse écrite, la presse télévisée qui est présente là. Et je vais remercier tout le monde qui a fait présent pour te porter solidarité avec moi-même. En fait, le 20, il y a une convocation qui était adressée à moi-même. Et que nous avons eu une convocation hein, le 22 dans l'après-midi. Alors, convocation a demandé pour être présent. Et le 22 à 10h30. Mais moi-même, je n'ai pas le 22 vers 3h. Et même 22h, je n'ai pas recevoir une deuxième convocation qui m'a demandé pour être présent dans le paquet aujourd'hui. Et moi-même, comme coordonnateur Nord, loterie de l'État haïtien, et que sous plainte ANDB, sous demande ANDB, et moi été convoqué. Ça, je pense que n'importe qui monde qui a fait jouer manger terre, qui a compris ça. Et à qui titre pour que les gens qui travaillent pour une institution étatique autonome et puis de sept individus qui baillent tête aux mission, qui disent que c'est l'État, ils convoquent dans le paquet. Et on parle de l'autorité judiciaire qui entre dans ça. Plié. Qui entre dans ça. Et ça fait me comprendre que le pays ça a un pile de travail qui vous fait là-dedans. Oui. Le pays ça a besoin de réformater. Parce que les malades dans toutes les zones. Il y a un vagabond de tous côtés. Vagabond de tous côtés. Donc, je dis que moi-même, Brutus Depilaire, j'ai été installé dans la tête de l'autre le 23 février 2022. Moi, j'ai été dit tête moi, avec toute âme, moi, toute conscience, moi, je suis prêt pour travailler. Pour bailler résultat. Continuez. Okay. Pour bailler résultat. Oui. Et que le 23 février, Jodia, le 23 février à Jodia, tout ça que moi-même, Brutus Luxès, moi posé comme action, je cadré avec la loi, je cadré avec le règlement LEH. C'est ça. Oui. C'est vrai. Tout le monde connaît, dans toute société, dans tout pays sérieux, l'autre. C'est une instance qui, en fait, génère un pile comme pour capable de financer le budget de l'État. Comment nous allons comprendre en Haïti pour de sept citoyens, relais tête à NTB, et puis ils disent, ils sont prêts, ils sont collectés. L'argent pour l'État. Pour l'État. Donc, moi-même, je laisse ça. Depuis c'est pour positivité, ça. Nous sommes prêts pour une bataille. Et notre bataille, nous avons une bataille. Jusqu'au bout. Notre bataille longtemps. Oui. Et vous n'avez pas dit ça. Et le commissaire Edno Placide, te demandé moi-même pour que moi remette machine qui est dans le même lieu ou bien moi dans garde à vue. Il me déclare sur ça, on a gardé la vie. Choisis. Décision ou. Non. Machine là. Libération. Et qu'on a qui s'en fait suite. Et qu'on a qui s'en fait suite. Qui s'en fait suite. On a continué. Et avocat Lotria, qui sont comme on a expliqué ça que passe aujourd'hui? Bon, moi, je pense que
et personne n'est au-dessus de la loi. Et directeur départemental de l'OA a gagné une convocation du paquet. Et un bon citoyen lui répond à la convocation. Et c'est tout à fait normal. Malheureusement, après tout exposé que lui fait félicitations par le commissaire là, le commissaire a choisi pour l'abuser de l'autorité qu'il gagne pour que l'État ordonné, l'État déclaré que l'opération l'autorité de l'État haïtien le fait de façon illégale. Et du même coup, lui ordonner à l'autorité de prendre quelques décisions. Et nous pensons que le paquet n'a pas une décision de jugement. C'est tout à fait normal, nous toujours fait que la décision que le commissaire de prendre pour le TB en garde à vue du départemental, c'est une décision illégale et abusive. Donc nous pensons que l'État a pris une décision comme ça. Donc, nous pensons que l'autre de l'État haïtien a pas continué de travailler. Justement, pour permettre que l'État haïtien soit capable de répondre à la mission, mission fondamentale que l'autre a gagné, qui permettre que plus de monde soit capable d'aller à l'école, plus de monde soit capable de faire une formation. Donc, c'est pour ça que nous disons que les faits du droit libre, provisoire et temporaire. Donc nous félicitons les commissaires qui comprennent le nécessaire pour que l'État retourne cette décision. Il parle là, qui participe à sous rien. Qui ça reproche directeur? Comment? Qui ça reproche directeur? Bon, lui reproche directeur que lui procéder à des saisies illégales. Mais ce n'est pas le commissaire pour dire que c'est illégal ou illégal. Donc comme paquet n'a pas sa commission. Donc nous demandons pour que lui voyait partir, demander à MDB pour envoyer légal là, pour joindre un juge. Le tribunal qui déclarait oui ou non que l'opération loterie est illégale et finalement laissa la première décision qui est imposée nous par décision de justice là. Mais pas qu'un en soi, pas capable de procéder sans pas de flagrant délit, nous ne pouvons pas poser aucune action illégale, nous ne pas d'ailleurs saisir sur action civile. Sur action civile. Donc ce n'est pas à commissaire du gouvernement de dire oui ou non que ça est illégal ou non. Donc on a des complices et d'emprise et la vie, ça que ça même. Donc de toute façon que le commissaire après décision, là il gagne d'autres chiens affrétés. Donc normalement c'est dans l'autre audience. Donc ça fait petit temps pour nous obliger à passer un peu de temps. Donc c'est dans ça. Même j'ai l'impression, 5 minutes après des bonnes décisions, bon sens qui t'a dit que faut le reconnaître. Ça veut dire que ça. Ah oui, pour le rendre une décision qui est pas illégale. Après c'est tout. Merci. Non pas aussi. C'est Maître Edmond Wilkin Joseph. Maître Edmond Wilkin Joseph. D'accord, merci.